Alors, quel que soit, montrons que quel que soit x dans R, f de a moins x égale f de x. Donc ici, on a quel que soit x dans R. On doit commencer par soit x appartenant à R. Alors, on calcule f de 1 moins x. On a f de 1 moins x égale quoi? Il faut remplacer ici x par, voilà, par 1 moins x. Donc, ça va donner 1 sur racine de 1 moins x le tout au carré, moins 1 moins x, plus 1. Maintenant, il suffit de développer cette quantité en utilisant l'identité remarquable a moins b, le tout au carré. Donc, ça va donner quoi? A 1 moins 2x, plus x carré, moins 1, plus x, plus 1. Donc, il reste quoi? 1 sur... Voilà, x carré, moins 2x plus x, c'est moins x. Donc, on simplifie par moins 1 ici. Elle reste quoi? Elle reste 1. Ça, c'est quoi? C'est rien d'autre que f de x. Donc, conclusion, quel que soit x appartenant à R, f de 1 moins x est égal à f de x. Maintenant, la question est bloquée. Alors, montrons que, quel que soit x dans R, f de x, f de 1 moins x égale f de x. Alors, on a ici quel que soit x dans R, on doit commencer par prendre un élément dans R. On a f de 1 moins x, il suffit de remplacer ici x par 1 moins x. Donc, ça va donner quoi? 1 sur racine de 1 moins x au carré, moins 1 moins x, plus 1. Donc, ça va donner quoi? En développant, suivant l'identité remarquable, 1 moins b au carré. Donc, ça va donner 1 moins 2x, plus au carré, moins 1, plus x, plus 1. Donc, ça va donner quoi? On simplifie par 1 ici. Alors, ici, x carré, moins 2x plus x, c'est moins x, plus 1. Donc, ça, c'est f de x. Donc, quel que soit x dans R, f de 1 moins x est égal à f de x. Maintenant, la question de l'injectivité. F était l'injective. On va écrire quoi? On a, quel que soit x appartenant à R, f de 1 moins x égale f de x. En particulier, donc cette propriété est vraie quel que soit x. En particulier, pour x égale 0, par exemple, cette égalité donne quoi? F de 1 égale f de 0 et indifférent de 0. Donc, F n'est pas injectif. Alors, passons maintenant à la question 2. Alors, on va raisonner par équivalence. Alors, commençons par prendre un élément dans R. C'est-à-dire, c'est la même méthode 1. Bien. Soit x un élément dans R. On a f de x inférieur ou égal 2 racines de 3 sur 3 équivaut à quoi? Donc, on va dire, remplacer f de x, l'expression d'hier. Il y en a 1 sur racine de x au carré moins x plus 1 inférieur ou égal. Il y a 2 sur racine de 3. Voilà. Combien, je vais dire, au carré. Oui.
Oui. عندك racine de 3 sur 3. Alors, il y a 1 sur racine de 3. Donc, il y a un autre. Il y a remplacé racine de 3 sur 3 par 1 sur racine de 3. Ça marche. On va dire. On va faire coucher au carré. Il y a 1 sur x au carré moins x plus 1 inférieur ou égal à 4 sur 3. Donc, il y a 4x carré moins 4x plus 4, c'est égal à 3. Et équivaut à il y a 4x au carré moins 4x plus 1 est positif. Donc, il y a 2x moins 1 au carré, positif. Donc, le raisonnement, où est-ce que vous avez dit 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 f de x inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. Et qu'on goûte donc, ça veut dire automatiquement, il est vrai. D'où, quel que soit x dans R, f de x est inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. La même chose de la méthode de la fois. Vous voyez la méthode, on va dire que alors, un petit peu les comptes de Cornelia. La forme canonique. Voilà, c'est la forme canonique, c'est bien. A, facteur de quoi? X plus B sur 2A. Moins delta sur 4A. Un petit peu de B. Donc, on a H, racine de x carré moins x plus 1, oui, t'as les parfaits, méthode 2. Et bien, je vais vous faire une racine. Je vais vous lire les différentes racines, on trouve quoi de la formule. Il y a un petit peu de temps, il y a moins 3. Mais maintenant, il y a une racine de x moins 1 demi au carré plus 3 sur 4. Or, ce que tu as donné, est x moins 1 sur 2 au carré, elle est positive. Donc, il est donné znali à 3 sur 4, x moins 1 sur 2, le tout au carré, plus 3 sur 4, et il est supérieur ou égal à 3 sur 4. Bien? Yeah? 3 sur 4, c'est rien. Mais bien, on dit la racine. Je vais vous dire. Il y a racine de l'énergie. X. Donc, normalement, là, il y a un problème. X carré moins x plus 1. Supérieur ou égal racine de 3 sur 4. Donc, nous avons l'inverse. Il y a 1 sur racine de x carré moins x plus 1. Inférieur ou égal à quoi? 1. Donc, il y a racine de 4 sur 3. Il y a x, ou normalement il y a 2 sur racine de 3. Il y a 2 racine de 3 sur 3. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a montré que f de x est inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on a montré? F est-il surjectif? On va écrire quoi? On a, quel que soit X appartenant à R, F de X est inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3. Donc, s'il vous plaît, l'équation
F de x égale 2 n'admet pas d'antécédent, n'admet pas de solution par là. N'admet pas, pas de solution LH. Car 2 racine de 3 divisé par 3 est strictement inférieur à 2. Donc f de x ne peut pas être égal à 2. Donc il n'existe aucune valeur de x tel que f de x égale 2. Sinon, f de x, ça sera, sinon 2, ça sera strictement inférieur à 2 racine de 3 sur 3. Donc f n'est pas, n'est pas sur gx. تختار شي عدد اللي صغر من صغر منه هذا كاين بزاف خذي 10000 كاع انت لا تاع خذي شي عدد اللي كبر من 2 غاسين دو 3 سور 3 في هذا لو كا اف دو اكس مع عمرها ما غتساوي داك العدد حتى الا خدينا 10 اذا كان شي اكس كيحقق هذه بمعنى غادي ترومبلاسي هنا غتلقاي 10 صغر من هنا وهذا اكسور فهمتيني دونك تختار شي عدد اللي كبر من 10 من شي عدد اللي كبر من 2 غاسين دو 3 سور 3 هذا قد يكون اختارت من 2 ديك 2 جاتنا مزيانة صغيرة ومتاحفة دونك حطينا دونك ممكن تاخدي شي عدد كبير ماشي مشكل دونك المهم غير تلقاي شي عدد ما عندوش اونتيسيدون لا تمي با دونتيسيدون هنا راني با شارجي دونك راه شفنا راه خرجنا واحد ليكزارسيس شفنا دو ميثود شفنا هادي شفنا واحد ميثود وحدة أخرى نعاود ندير لكم غابيل ديالها غابيل إذا خدينا هنا أبليكاسيون F ديفيني دو E فيغ F إي سيرجيكتي سي سولومون سي هنا قلنا واحد الملاحظة F دو E إيكال إيكال F ياك حنا دابا تابعو معايا عندي لابليكاسيون ديالي ميم ديفيني من R أفالور دون R بلس ياك وشنو بينت أنا A quel que soit x quel que soit x appartenant à R f de x inférieur ou égal à 2 racine de 3 sur 3 bien sûr f de x est toujours positif strictement même strictement quel que soit x appartenant à R f de x appartient à quel intervalle 0, 2 racine de 3 sur 3. C'est-à-dire quoi? Donc, f de r est inclus dans 0, 2 racine de 3 sur 3. Donc, f n'est pas surjectif. Allez. Car sinon, il n'y a qu'un surjectif, car sinon, f de r égale r plus, il n'y a qu'un surjectif, parce que f de r, il y a r plus, il y a tout là. Donc, il n'y a qu'un f de r, il y a r plus, on va les remplacer, non? Allez. Pas de souci, allez. R plus est inclus dans 0, 2, racine de 3 sur 3. C'est absurde. كيفاش تكون لان يعني ار بلس راه ما كتساليش كيفاش تكون في هذا الانترفال داكور دونك عندكم جوج ديال لي ميثود بور مونتري كو اف تي با سيرجيكتيف هادي ميثود 2 وهادي لا ميثود 1 سا مارش alors qu'est-ce qu'on a montré montrons premièrement cette égalité on a déjà s'il vous plaît on a déjà montré quoi f de r est inclus dans 0, 2, racine de 3 sur 3. Maintenant, il suffit de montrer quoi? Il suffit de montrer que l'intervalle 0, 2, racine de 3 sur 3 est inclus dans f de r. Et donc, on va prendre soit
y un élément dans l'intervalle 0, 2, racine de 3 sur 3. On va résoudre l'équation. F de x égale y, dont r bien sûr. Alors ça va donner quoi? Cette équation donne quoi? Je vais écrire juste l'expression de f sous forme canonique. Plus 3 sur 4 égale y. Je passe à l'inverse. Racine de x moins 1 demi au carré plus 3 sur 4 égale 1 sur y. Et après, on va mettre tout ceci au carré. Ça va donner quoi? Égale 1 sur y carré. Et je transforme le 3 sur 4. Alors, ça va donner quoi? Ici, on va mettre la valeur absolue. Égale la valeur absolue de ceci. Pardon, la racine carrée. Alors, pourquoi on a le droit de passer à la racine carrée? Puisque x moins 1 demi au carré, c'est positif. Mais il faut justifier le fait que ça, c'est positif. Nous, on a quoi? On a y est positif et strictement inférieur égal à 2 racine de 3 sur 3. Donc, ceci, ça donne quoi? Y au carré, c'est inférieur ou égal, ici, c'est 4 sur 3. Donc, 1 sur y au carré, ici, c'est pour eux égal à 3 sur 4. Donc, ceci donne quoi? 1 sur y au carré moins 3 sur 4 est positif. Je peux justifier la positivité de cette quantité. Donc, on a le droit de passer à la racine. Ici, ça va donner quoi? X moins 1 demi, en valeur absolue, égale racine de 1 sur y au carré moins 3 sur 4. Donc, on a deux possibilités. X moins 1 demi égale racine de 1 sur y au carré moins 3 sur 4, ou x moins 1 demi égale moins racine de 1 sur y au carré moins 3 sur 4. Vous avez des questions? Oui, monsieur. Oui. Pourquoi on a enlevé le carré, la racine carrée, et on a ramené? On a enlevé la racine carrée et on a transformé directement 3 sur 4. Juste pour gagner le temps. Vous allez l'aider dans les statistiques à l'arbre, allez-y, j'ai rien. Oui, normalement, on a racine la racine, on a choisi la racine à l'arbre, on va choisir la racine, on a choisi la racine à l'arbre. Donc, ça, je l'ai dit. Donc, x égale quoi? X égale 1 demi plus racine de 1 sur y au carré moins 3 sur 4 ou x égale 1 demi moins racine de 1 sur y au carré moins 3 sur 4. Donc, je n'oublie pas, quel que soit y appartient à l'intervalle 0, 2 sur racine 3 sur 3, il existe au moins un x. Soit, vous prenez soit ça, soit cette solution, soit celle-là, appartient à R. Donc là, on a dit, je vais vérifier que là, appartient à R. Je vais dire, maintenant, appartient à l'intervalle 0, 1, je vais vérifier que là, il est 0. Donc il est dans R. Pas de vérification. Tel que Y égale F de X. Alors, cette proposition signifie quoi? Signifie que Y appartient à F de R. Et bien sûr, ceci, quel que soit Y dans 0, 2, racine de 3 sur 3. Alors, ça veut dire quoi F de A inclus dans B? Normalement, c'est quel que soit X appartenant à A, F de X appartenant à B. Nous, on a quoi? Quel que soit
y dans cet intervalle, on a, alors, 1, non, alors, je cherche un point. Oui, puisque y s'écrit sous cette forme. Alors, quel que soit y, alors, si on rappelle, je vais écrire juste, pour montrer que B est inclus dans F de A, A est inclus dans F de B, je vais écrire juste l'inclusion entre deux ensembles. Ça veut dire quoi? Quel que soit X appartenant à A, X appartenant à B. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'écris ici? Quel que soit Y dans 0, 2 racines de 3 sur 3, on a Y appartenant à cet ensemble. Donc, l'intervalle 0, 2 racines de 3 sur 3 est inclus dans F de R. Alors, en combinant ces deux inclusions, ça et celle qu'on a démontrée précédemment, on conclut quoi? D'où F de R, c'est égal à 0, 2, racine de 3 sur 3. D'accord? Alors, maintenant, montrons que F moins 1 de 1 demi 2 sur racine de 3 égale cet intervalle. Alors, un petit rappel. X appartient à F moins 1 de A, ça veut dire quoi? Ceci équivaut à dire quoi? F de X appartient à A. C'est ça la définition de l'image réciproque. Alors, maintenant, on va raisonner par équivalence. On va prendre un élément ici, et on va montrer qu'il est dans cet intervalle. Alors, on a X appartient à F moins 1 de 1 demi 2 sur racine de 3 équivaut à quoi? F de X appartient à 1 demi 2 sur racine de 3. Ceci équivaut à dire quoi? F de X est compris entre 2 sur racine de 3 et 1 sur 2. C'est-à-dire quoi? 1 sur racine de x au carré moins x plus 1 est inférieur à 2 sur racine de 3, 1 sur 2. Donc on va passer au carré ici, c'est 1 sur 4, inférieur ou égal à 1 sur x au carré moins x plus 1, inférieur ou égal à 4 sur 3. Ça va donner quoi? X au carré moins x plus 1 inférieur ou égal à 4. Ici, c'est 3 sur 4. Donc, on transforme cette écriture en utilisant la forme canonique. Plus 3 sur 4 inférieur ou égal à 4. Alors, on retranche 3 sur 4, donc c'est équivalent à 0, inférieur ou égal à x moins 1 demi au carré, inférieur ou égal à 13 sur 4. Oui? Ax carré plus bx plus c égale a facteur de x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. X carré moins x plus 1 égale x moins 1 demi au carré plus 3 sur 4. D'abord, on dit la racine. Je vais passer à la racine carrée ici. À la racine carrée ici. Donc, ça va donner quoi? La valeur absolue de x
moins 1/2 inférieur ou égal à racine de 3, 13, pardon, sur 2. Donc, je vais continuer ici. Ceci équivaut à quoi? Alors, valeur absolue de x, c'est x moins 1/2, compris entre racine de 13 sur 2 et moins racine de 13 sur 2. Ceci équivaut à dire quoi? X inférieur ou égal à 1/2 plus racine de 13 sur 2, 1/2 moins racine de 13 sur 2. Donc, x appartient à quel intervalle? 1 moins racine de 13 sur 2. Et 1 plus racine de 13 sur 2. Donc finalement, f moins 1 de 1/2 racine 2 sur racine de 3 est égal à 1 moins racine de 13 sur 2. 1 plus racine de 13 sur 2. Voilà, on a fini cette question. Alors, soit, montrons que j'ai injectif, donc soit x, y, deux éléments de l'intervalle 1/2 plus infini, on a f de x, pardon, g de x égale g de y. Voilà, g restriction, g ou f. Le domaine de définition, le domaine de ensemble de départ. Il est g et f. Donc, on va dire que f de x, quel est g de f de y. Il y a une chose que je voulais dire. Il y a 1 sur racine de x au carré moins 1 plus 1 moins x plus 1 égale 1 sur racine de y au carré moins y plus 1. On passe à l'inverse. Racine de x carré moins x plus 1 égale racine de y carré moins y plus 1. Donc, ça va donner quoi? Oui? Oui. Hein? Donc, il y a x moins 1/2 au carré plus 3 sur 4 égale racine de y moins 1/2 au carré justement. Donc, le carré est un peu là. Pas de problème. Donc, on couche au carré. Après, on a x moins 1/2 le tout au carré plus 3 sur 4 égale y moins 1/2 le tout au carré plus 3 sur 4. On simplifie par 3 sur 4. Il reste x moins 1/2 au carré égale y moins 1/2 au carré. D'accord? Maintenant, on va passer à la racine carrée ici. À la racine carrée ici. Il reste quoi? C'est la valeur absolue de x moins 1/2 égale valeur absolue de y moins 1/2. Or, je connais maintenant x, c'est plus égal à 1/2, et y, c'est plus égal à 1/2, puisque les deux sont dans l'intervalle 1/2 plus infini. Donc, ceci implique quoi? Implique que x moins 1/2 est positif, y moins 1/2 est positif. Donc, valeur absolue de x moins 1/2, ça sera x moins 1/2, y moins 1/2. On simplifie par x, par moins 1/2, moins 1/2, il reste x sur y. Donc, G est injectif. Alors, on cherche à montrer quoi ici? On cherche à montrer que G est une bijection, s'il vous plaît, une bijection de l'intervalle 1/2 puis infini vers 0, 2 racine de 3 sur 3. Alors, on a déjà montré, on a déjà résolu cette équation, x égale y, on a trouvé que c'est 1 sur y carré moins 3 sur 4, où x égale 1/2 plus racine de 1 sur y carré moins 3 sur 4. Mais il faut faire attention, cette solution, elle est strictement, elle est inférieure ou égale à 1/2. Puisque ça c'est négatif, on ajoute 1/2, on trouve que cette solution est inférieure ou égale à 1/2. Mais celle-là est supérieure ou égale à 1/2. Donc, je vais dire que le donc, quel que soit y dans l'intervalle 0, 2 racine de 3 sur 3, il existe un unique élément
x li huwa 1 sur 2 plus racine de 1 sur y carré moins 3 sur 4 appartenant à l'intervalle 1 sur 2 plus infini. Et vous voyez qui fait l'intervalle à la maquinche. Tel que g de x égale y. Donc, directement, g est bijective. C'est ce qui a créé une solution unique. Donc, l'application est bijective. Là, je vous pose les questions pour les barrer. Mais qu'est-ce qui explicite g moins 1 ? Explicite f moins 1 ou le g moins 1 f1 ? Donc, nous comprenons la question. Donc, g moins 1, n'y réponds. G moins 1, réponse définie de quel ensemble? De 0, 2 racine de 3 sur 3, à valeur donc 1 demi plus l'infini, et à chaque élément y associé, son unique antécédent, il prenait 1 demi plus racine de 1 sur y au carré moins 3 sur 4. C'est ça l'application réciproque.